Salut mon loulou, bon, j'espère que tu vas bien, je suis en famille là. Je leur ai débranché l'eau, bah oui, il fallait relever la borne incendie. Bon, c'est super sympa, nous ont payé le café dans le camping, les copains. Du coup, ouais, franchement, c'est des gens bien, tu vois. On est toujours accueillis chez eux comme il faut. Donc là, on fait la coupure. Avec la mini-pelle, je vais reboucher le traîneau là. Puis après, on va s'attaquer aux deux autres qui sont à l'autre bout du camp là-haut. Et voilà, je suis content, on est en famille, on est bien, on est. Tranquille mon copain. Eh oui mon loulou, c'est les cousins. Bonjour à toi, on en profite, c'est bientôt le 1er avril. On va pêcher la carpe de nuit. Pour l'instant, on est là 2 journées. T'as vu le temps? Le temps, il est pas top. Donc gros investissement cette année. La 410 Empereur qui va venir sous le lit. Parce que on a passé 3 mois d'hiver eh ben, à recharger. Là, ça fait 2 fois que je recharge mes batteries. Bon, celle-ci, la Allpower S2000, je la recharge au travail. Donc ça c'est cool, dans l'atelier des mécanos. Tu vois, j'ai investi dans le Victron, ici, j'ai récupéré des trucs de bière là. Bon, je mets les bières, mais là tu vois, je les ai pas mis parce que ça fait glinglin. J'ai mis mes repas comme j'aime de chez Colruyt là. Et voilà, puis support PQ ici. On a raccourci le matelas aussi. Hein, on a raccourci le matelas parce que de toute façon, je suis quasiment tout le temps tout seul. Et puis si la bonne amie elle vient, et ben, du coup elle dormira sur un petit bout. Et là, j'ai remis, tu vois, des petits trucs comme ça pour mon manche d'épuisette, mes pics de rodpod. J'ai investi dans une rallonge ici. La prise, là, hop, comme ça, j'ai tous les prises USB, j'ai toujours la lampe. Et on est pas mal, on est pas mal. Alors, ouais, on a rechangé le gaz, hein, il y avait une petite fuite sur le de gaz. On a pris le gaz à un feu. Et ma foi, on amorce, on amorce, on amorce. Hein. On amorce, on amorce, on amorce. Il y en a là, il y en a là, il y en a partout. Mais en attendant, mon chouchou, je l'ai pas allumé, con. Tu vas l'allumer? Voilà. Voilà, on s'est fait un petit café, mon chou. Petit café de la Nespresso, parce que ça, c'est le week-end et c'est obligatoire. Nespresso oblige. Il va y avoir aussi le 400 watts de chez Allpower que je vais acheter le mois prochain, donc au 12 avril, quand j'ai ma paye. Parce que oui, j'ai signé la promesse qui m'a été écrite par mon directeur, vu que j'ai une augmentation d'un euro. Je signe le contrat de mariage en CDI. Ça fait 3 mois que je suis chez eux, ça se passe super bien. Et tu vois bien, on est bien. Donc là, j'ai pas le droit d'être là, tu vois, il y a des barrières là-bas, il y a des barrières là-bas. Mais c'est bon, quoi. Il arrive un moment, moi je prends le gauche, si je paye l'amende, je paye l'amende. Mais je reste là, mon loulou, puisque j'ai vu avec VNF. VNF, eux, circulent là-bas. Ils m'ont dit là, ça dérange pas, mais on ne sait jamais si je me refais virer par la PM comme d'habitude, eh ben je vais payer l'amende. Voilà, hein, il y en a marre, on a accès aux berges ou pas, hein. Moi je prends l'accès. Regarde comme on est bien mon copain. Ah et là ça me fait plaisir de te retrouver. On a la maison, tu vois la maison elle est là, la maison, voilà. La maison elle est payée. Elle est payée loulou, elle est payée la maison. On paye plus de factures. On paye plus de factures, on s'en sort pour 97 balles de course, on n'a rien. Donc du coup on va faire les promos chez Leclerc parce que chaque fois je m'y prends tard et je suis fatigué, tu vois, les soirs moi je vais au lit à 9h. Eh oui, ça travaille dur, on me chou. Voilà, donc je réteins. Là on va se faire plaisir. On va se faire plaisir, j'ai acheté de la bonne viande chez le boucher, j'ai acheté plein de trucs, ça va être cool, on va se mettre bien. Ah là 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 là, ça c'est le paradis mes potos. C'est le paradis. La petite Suao qui cherche toujours pas là, hein. Il n'y a pas de soleil. Je te dis ici. Il faut vraiment la 410 ampères-heure parce que 100 ampères-heure, c'est light. Hein. C'est même très léger. Donc la première 100 ampères-heure, tu le sais, elle m'alimente la télé, mes lampes, etc. Mes recharges batteries externes, mon portable. L'autre, 150 ampères-heure, uniquement mon chauffage et l'antenne télé. Et puis la petite Suzuki qui sert pas, voilà. Celle-là, bon bah tu le sais, hein, le café, le micro-ondes qui se trouve là-bas. Et bientôt, on aura la 410 ampères-heure et on pourra remettre la 100 ampères-heure. De l'autre côté. J'ai acheté un petit truc sympa aussi sur Amazon. Bon, tu le verras pas là, c'est sous mon bordel. C'est un machin que tu mets pour ta tension de batterie en Bluetooth. Et tu peux le gérer avec ton portable. Ça coûte 28 euros. Et c'est vraiment top. Voilà, j'ai déjà des casse-couilles qui arrivent. Ça commence. Allez mon chouchou, à tout à l'heure. Et oui mon loulou, c'est toi qui avais raison. Quand tu m'as dit, ouais l'intérim c'est bien, mais les IFM, les CP, tout ça, tu vas payer des impôts plein pot. T'avais raison, c'est vrai. C'est vrai, quand je fais le calcul avec le salaire, les heures supplémentaires, puisque comme on est rémunéré sur une base de 35 heures, mais on en fait 39, on est payé en heures sup, tout ça se calcule. Et quand j'ai signé la proposition,
Non seulement j'aurai pas de vacances, donc ce sera des vacances sans solde pendant un an, pas de 13e mois pendant un an, et donc, encore une fois, pas imposable. Eh oui, et tu le sais, je bénéficie de la CMU encore cette année, mais aussi l'année prochaine, puisque cette année, je vais déclarer que 8 500 euros d'impôts, je n'ai pas déplacé le plafond, c'était un choix. J'ai profité de la vie, j'ai pu m'organiser comme j'ai voulu. Là, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me plaît. Et du coup, toujours le fameux mot du coup. Eh ben, là pour l'instant, ça se passe bien. Je te fais une petite capture d'écran. Pourquoi je reprends aussi le travail plein pot? Parce que j'ai bouffé tous mes droits chômage. J'en aurai vers d'autres de 423 jours, je crois. Je te fais la capture d'écran tout de suite que tu vas voir. Bah c'est 423 jours. Maintenant, avec le nouveau système de notre chevalier noir, je n'ai le droit qu'à 868 euros de chômage pour 30 jours et 900 et des bananes pour 31 jours. Sachant qu'il a baissé de 25% de cotisation, c'est 18 mois. Bon, ça va. Ça va. Là, ce qui fait que depuis 3 mois, je recotise pour d'autres droits futurs qui seront peut-être plus importants quand le nouveau président de la République sera là, puisque maintenant j'ai évolué en termes de salaire, je suis au-delà, bien au-delà du SMIC, comme d'habitude, hein, tu sais, dans le TP. Voilà. Hein. Et c'est tous des calculs, mon chouchou, que je te partage et tu vois comment on vit. Ça fait 6 ans. 6 ans, bordel de merde, où je suis bien, tu vois, que je profite du temps qui passe. On a des belles tables, on est bien, on est au coin du paradis, là. Et si on m'emmerde, au bouillon, comme d'habitude. Hein, enfin, pas la police, parce que je vais au garde à vue. Moi, les gardes à vue, ça suffit. Il y en a marre. Je sais, t'es en train de te dire, qu'est-ce que c'est de cette régulation de 746 euros? Eh ben, comme j'ai commencé le 9 janvier, tu vois, je me déclarais plus au chômage, je me radiais, tout ça, c'est encore une fois, c'est stratégique. Je mets des sous de côté, tu vois. Parce que si je me pète le chômage toute l'année, là, t'es imposable, t'as plus de CMU. Donc, c'était un calcul à faire. Voilà. Encore une fois, pas de dépassement d'honoraires, chirurgien, tu le sais, j'ai eu des gros soucis de santé, c'est pour ça que j'ai profité de la vie. Pendant 2 ans, j'ai eu des gros gros soucis de santé, tu l'as vu. J'attends toujours ce fameux dossier. J'ai eu retour de mail de la MDPH. Ils ont bien pris mon recommandé. Par contre, ils n'ont pas pris en compte le dossier. Il se fera qu'à partir du mois de juin, les loups. Donc il y a le temps. Hein. Et voilà, donc c'était un choix. J'en ai bien profité. Et maintenant, il faut charbonner. Faut charbonner parce que. Là, j'ai un petit pécule de côté. Tu vas me dire, 18 mois, ça passe vite. Mais là, l'objectif, il n'est plus là. Il est de rentrer de la moulaga. Parce que tu vois, 100 euros de course, ça part vite. Il n'y a rien. On se fait plaisir, hein, mais il n'y a rien. Et encore une fois, heureusement que j'ai pas de loyer à payer, pas d'électricité, pas tout ça. Parce que si je déduis mon salaire avec toutes ces charges, l'essence, le machin, les trucs, il faudrait, pour une personne célibataire, je parle, pour bien vivre, plus de 2000 euros maintenant aujourd'hui. C'est obligé. Parce que même avec 1006, 1007, 1008, en étant seul, tu dépenses un petit peu. Si tu as un logement, tout ça, tout le barda, c'est mort. Tu peux même pas t'acheter une bagnole, faire un crédit auto, c'est la merde. Bon, eh bien, mes loulous, nous sommes le samedi 16 mars. Je viens juste de lancer la canne, je fais un parpaing. Oh putain, c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Joli, joli, joli. Bon, c'est un poisson qui doit faire 10-12 kilos, je ne vais pas le prendre dans les mains. Je la remets juste à l'eau. Et voilà, je viens de la lancer à l'arrache là. Hein, tu vois. Et là, on est bien. Il y a déjà un casse-couille qui arrive avec sa bagnole là. Ça va être le yard de pêche. Putain, je suis content. Je suis content. Et je vais te la montrer plus en détail, mon chou. Toujours avec mon montage spinner rig. Hein. Regarde. Ah, je suis content. Je suis content, elle est magnifique. Premier poisson 2024 au mois de mars au canal. Ah là là, belle couleur. Super fiche. Je vais prendre une petite photo pour l'envoyer à mon Stess, il va être content. Et ouais, génial, génial. Et on peut pas faire plus heureux que ça, mon loulou. Donc c'est les fluo pop-up Starbet, tu sais, goût neutre, que j'imbibe dans ma petite préférée. C'est ma deuxième préférée, le BBQ and Butyric. Là, je remets un petit coup de fouet sur la bouillette. Je replace la bouillette. Allô, je ramorce quelques coco banana, puisque. Enfin, coco banana et puis les restants de Starbet, tu vois. C'est avec ça aussi que j'ai déroulé. Souvent, j'en ai encore plein là-dedans. Je vais refoutre ça à l'eau. Mais en tout cas, je le connaissais pas le coin là, c'est la première fois que je le pêche. À l'arrache, posé, 10 minutes après, ça déroule. Je fais la vidéo, 10 minutes même pas, ça part. Non mais c'est un truc de niqué, gros. Ah, c'est bon ça.
C'est bon. La tata qui revient avec son chien. Faut ramasser le caca là qu'elle a laissé le chien là. Manque d'éducation, madame. Je te jure, franchement, mon loulou, c'est cool. C'est cool, cette village, je la kiffe. Mais je pourrais pas dire à la fin de ma vie, tu sais, quand je vais être sur mon lit de mort, que j'aurais regretté quelque chose parce que j'aurais réalisé mon rêve de gosse. Ça a commencé par la pêche, hein. Tu sais, les bivouacs, tout ça, t'aimes bien, tu rentres du boulot, t'aimes bien te poser avec tes cannes, tes potes, petite canette, machin, tu fais ton petit barbecue, tu fais ta passion, ton hobby, ton loisir, tout ce que t'as envie de faire, t'es bien. Et là, quelques années après, petit aménagement, petit fourgon, le TP en intérim, et puis voilà. Malgré les petites embûches de santé qu'on a eues, hein, c'est pour ça que je bois pas trop d'alcool le mois prochain. Le mois prochain, mon loup, parce que regarde, il y en a encore là. Ah oui, parce que je dois faire ma visite annuelle avec prise de sang et tout le bordel, hein, parce que c'est obligatoire. Voilà, je dois faire mon petit bilan médical comme chaque année pour voir s'il n'y a pas de récidive. Et puis, on est pas mal, hein, mon chouchou, regarde. Le petit routeur 4G avec l'antenne 4G, hein, pour l'internet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, le soir, j'allume, j'éteins mon chauffage. Alors oui, pour le 5000 watts. Je voulais revenir là-dessus, mais loulou, hein. Quand tu mets que du bioéthanol, la flamme, elle est moindre, elle est beaucoup moins forte. Du coup, je le laisse allumer quasiment toute la nuit. Mais si je mets du gasoil, eh ben, je peux pas, c'est un four. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 5 euros de gasoil, elle reste en bioéthanol. Ça, je suis tranquille. Je mets ça dans mon réservoir, hein. T'as vu, comme d'habitude, qui est en dessous. Et là, ça se fait bien, hein. Ça se fait bien, hein. Les panneaux solaires, ça charge. Ça y est, ma batterie, là, elle commence à charger. Regarde, attends. Tu vois, j'ai mis le. Ah, con! Voilà. Ouais, d'ici l'année prochaine, elle sera chargée, hein. J'ai mis le bazar là, tu sais, pour toutes les batteries, c'est un adaptateur, tu vois. Tu peux brancher toutes les batteries. Donc là, je pourrais mettre la All Power et puis les autres. Voilà. Donc ça, c'est cool. C'est sur Amazon aussi, hein. C'est pas cher. J'ai racheté des rallonges aussi de 5 mètres, parce que comme je vais acheter le panneau solaire de 400 watts de chez All Power. Oh, quel kiff! Petite semaine de boulot, t'arrives là, 2-3 canettes, machin, on va se faire une bonne grillade. Le frigo, mon chouchou, il est full time. Attends, je vais mettre mon nounours là. Il est full time, oh putain. Voilà, j'en ai des saloperies, j'en ai, ça c'est pour le boulot. Hein. Il y a la pizza, il y a la viande, j'ai acheté un morceau de viande avec. Attends, je vais tout sortir le frigo, mon chouchou, comme ça va me permettre de. Ah! De le rancher. Oh là, sandwich. Ça y est, c'est une connerie. Hein. J'ai pris un petit burger, tiens. Pour midi, on va se faire ça. Midi, le petit Donna. Donna, donnez, donnez, Donna, donne-moi. Donne-moi de l'argent, sinon ça ne va pas. Voilà. Petit truc là avec les petits machins persillés. Avec la petite boîte d'haricots de chez Dossi. Hein, parce que quand c'est Dossi, j'en veux aussi, mais c'est pas ça. T'as quand même compris. Voilà, mon chouchou. Ouais, 97 balles. Y a rien. Y a rien. Deux, trois salades. Bon, tu vas me dire. Hein. C'est pas souvent que je fais des courses comme ça. Quand j'ai le temps, je fais des petites courses pas chères, tu sais, comme tout le monde. Hein. Mais là, j'avais envie de me faire plaisir pour ce week-end. Il y aura des faritas aussi qui vont venir. Et là, je suis niqué parce que la DSP, il va falloir que je la boive, tu vois. Ah oui, il faut que je la boive. C'est dehors. On peut plus refermer maintenant. Oh là là. Ah là, le Moby Cool, super cool les gars. Super cool le Moby Cool. Et puis dans ce nouveau matelas, mon chouchou, on est pas mal. Hein. Le sel, le poivre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Métro, boulot, dodo. J'ai l'appartement, il est là. La douche au boulot, parce qu'avant je la prenais pendant 3 mois dehors avec la cabine de douche. Et puis les mécanos m'ont laissé accès à prendre la douche. Ça c'est super top, merci hein, Ludo. C'est cool tonton, je l'appelle tonton. Il est sympa, il prend soin de moi, il est au petit soin, il est gentil comme tout. Ils sont tous gentils en fait dans la boîte. Il n'y en a pas un qui est déséquilibré. Ils sont tous bien, franchement. C'est impressionnant, c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Que je rencontre des gens bien, c'est pas normal. Et puis mes petits codes, comme j'aime là, un coup de micro-ondes.
C'est pour ça la All Power, elle me sert qu'à ça en fait, si tu veux. Parce que si je réinvestis dans ma 410 ampères-heure, donc 5 kW d'autonomie, je vais forcément réinvestir dans un gros convertisseur qui vend sur Amazon aussi, les 3000, 6000 là, à 400 balles. Puis ça m'alimenterait exactement pareil, mais puis je vais racheter d'autres batteries. Enfin, tu vois bien, moi c'est l'autonomie et puis la tranquillité surtout. La tranquillité, mon gars, parce que il y en a ras le cul. Oh, loulou, je t'accompagne. Ouais, je sais, je sais. Ouais, il y en a, tu vois, qui sont là en train de rager. Moi, je ne juge plus, je ne rage plus mon prochain, puisque de toute façon, ça sert à rien. On m'a dit, j'étais un pêcheur 2.0. Ouais, franchement, je l'assume, tu vois. 2.0, parce que pourquoi? Parce que 0 plus 0, c'était égal à la tête à Toto. Je suis parti de chez Toto, parce que moi, j'avais le bonnet d'âne à l'école. Et franchement, les gars, c'est le kiff. J'arrête pas de le dire, mais putain. Oh! Un hiver de plus. Et là, on arrive au printemps, c'est le sourire, c'est le smile. Et pêcheur 2.0, et je suis content parce que quand je fais des pépites, donc je vais pas mettre des plombs dans le cul de la carpe pour te dire elle fait 26, elle fait 28. Non, non, c'est une putain de fierté parce que t'es pas en privé, t'es dans un domaine public, en rivière ou en canal, quand tu sors des pépites, hein, t'as vu sur ma page Facebook, il y en a des belles. Cette année, il n'y aura pas de poids parce qu'on va encore dire ouais, 2.0. S'il faut commencer à prendre un huissier, les gars, arrêtez de rager, arrêtez de rager. Je prends ce qu'il y a à prendre, tu vois, je pêche simplement. Ouais, 2.0, il prend le bateau amorceur, il cherche pas, il baigne, il amorce un peu, au spot, une boîte de maïs. Moi, je me casse plus le Lulu, mon chouchou. Petite boîte de maïs pas chère, on balance ça à l'eau, 2-3 bouillettes, terminé. Et puis, s'il y a une grosse qui prend, bah, c'est bien, moi, je suis hyper heureux. Et tu me verras pas aller payer 500 balles dans un privé pour faire une 30 kilos, c'est pas mon délire, moi. Il y en a, c'est leur délire, tant mieux. Et je respecte ça, je respecte. Mais je suis pas là pour critiquer, chacun fait ce qu'il veut. Nous, c'est notre mode de vie. On vit comme ça. On vit notre passion et on vit la vie qu'on a envie de vivre. Hein. Sinon, j'aurais fait des enfants, je me serais marié avec la première tata, on aurait divorcé, j'aurais payé les pensions alimentaires. Enfin, tu connais. Tu vois. La prof que tu vois, tu recommences. Tu vois que toi, te marier combien de fois encore, mon loulou? Arrête donc, ça ne sert à rien. Hein. Moi, j'ai vu ma prof d'économie. Tu sais, quand elle m'a dit oui, j'ai dit, madame, je vous ai pas écouté. Heureusement, parce que vous voyez, là, j'en fais des économies. Alors oui, je fais des économies, hein, économie de coiffure, la chimiothérapie, j'ai appelé à personne, moi. Notre mode de vie, qu'est-ce que c'est notre mode de vie? C'est l'autonomie. Regarde, autonomie. Ah, avec l'antenne et tout le bazar. C'est ça notre mode de vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mes collègues, ils m'apprécient et j'aurais attiré la sympathie parce qu'ils ont dit, le gars-là, mentalement, ça doit être un costaud. Parce que vivre comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et encore une fois, il y a des rageux qui disent oui, il vit pas, il vit pas, il vit pas. Viens sur ma page Facebook, tu vois, mon loulou. J'ai pas d'appartement. Qu'est-ce que. Les sous, c'est dans la poche, mon pote. C'est pas dans les loyers. Tu donnes un loyer, ça part par la fenêtre, mon loulou. Hein? Ça ne sert à rien. T'achètes un camion. Tu fais un crédit comme moi sur 5 ans. Une fois que c'est remboursé, et ben, tu profites de la vie. Puis là, tu vois, on met un petit peu de sous de côté, et le prochain fourgon coûte cher. Hein. Putain, je suis allé en voir deux, là. C'est un billet de 40 000, là, les fourgons caisse, là, parce que moi, je vais pas acheter de l'occasion. C'est mort. Hein. Mais il va falloir des années. Hein. 70 ans, quand je serai mort, peut-être que je l'aurai payé. Ou pas, je sais pas. On verra. Mais en tous les cas, ils abusent. On va rester dans la boîte de conserve encore quelques années, hein, mon chou. Hein. À moins que je fasse une bonne affaire, puis que celui-là, je demande bien. Pourquoi pas, mais tu le sais. Entre toi et moi... tu m'imagines, moi sédentaire, tu mettrais ça dans quelle rubrique? Sport ou fait divers? Je pense que tu mettrais ça dans fait divers. Hein. Ouais, t'as raison. Eh ouais, mon loulou. Nomade, c'est pas une mode de vie. C'est une grosse addiction. Je peux pas te l'exprimer si tu le ressens pas, si tu le vis pas, si tu te sors pas les doigts, je peux pas te le dire. C'est le ressenti que j'ai, c'est énorme. Énorme. Il n'y a pas de contrainte. Enfin, il y en a quelques-unes. On va pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Il y en a quelques-unes. Mais il y en a moins que d'une vie de sédentaire où faut payer, 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 payer. Qu'est-ce que je te dis? C'est stadisme, mon chou. Viens. Paradis. Le paradis, non? Ça y est, ça arrive encore. Putain. Il peut pas pleuvoir, hein. Jour. Pluvieux, jours heureux. Là, ça y est, il y a un brin de soleil, t'as tous les pélos qui viennent de partout. Restez chez vous!
Incroyable quand même. Là, il y a des barrières, il passe, il y a des barrières, il passe. Et puis l'autre zozo, il passe aussi avec son fourgon là pour pêcher là, alors que... Oh! Restez chez vous! Ah bah oui, hein, je comprends, non. On est en prison, vous n'avez pas de jardin, vous avez c'est HM? HM? Non? Ah, des bétons? Allergique au béton? Ah bah oui, tonton, c'était allergique au béton. Bah, te fais comme moi. T'achètes une boîte de sardines, t'as vu? 25 000, neuf. Te la ménages. Te changes la vanne EGR au bout de 79 000, parce que comme moi, j'ai roulé avec le mode économique, ça m'a coûté une vanne EGR. Alors, chez Renault, c'est 600 balles, hein, parce qu'il te facture 98 € de frais pour essayer ton véhicule. Hein. Et Renault, ça va. Hein. Hein, les 98 €, c'est dans la poche. Et puis, te facture 2 fois 103 €, parce qu'il y a une partie aussi de je ne sais plus combien d'euros pour extraire la vanne EGR. Le petit garagiste m'a pris 300 balles. La vanne EGR en vaut 195. Il en a chié pendant 2 heures, il l'a cassée, mais elle est neuve. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté l'additif C99 de chez Mécaronne, que je mets à chaque fois que je fais le plein. Et puis un plein sur deux, j'en mets pas et je mets du gasoil Excellium. Voilà. Ouh, lui, il est malade. Ouh, le père. Il a la tête dans les baskets. J'avais dit que je réponds au prochain, je me moque. Je me moque. Salut mon loulou. Viens voir, il y a de la Crixoris. Ouais, non, on rigole, tu sais, on rigole. Mais il faut rire, toi. Santé, mon ami, santé, bonheur. Hein, parce qu'après, le docteur Gauzier, il va dire. Bah, cette merde-là, j'ai beau faire. Comme le chirurgien m'a dit. C'est fini, hein. Enfin, je fasse une cure. Ça, c'est les kebabs, c'est les maxi kebabs, la cléric, là, mon chef, là, on bouffe ça le midi. Oh là là, laisse tomber, hein. Et puis une semaine de McDo et tout le tri de là-là, ça va. Hein. Bon, on a changé de poste, ça commence à être la zone là-bas. Les loulous, ils arrivaient de partout, ça pêchait à l'arrache, ça fumait la oui. La oui. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, je plane, hein? Tonton David, paix à son âme. Tu fais pas chanson? Oh, yo, qu'est-ce qu'il y a, je plane? J'en fous, qu'est-ce qu'il y a, je plane? T'as pas connu ça? Putain, c'est ta jeunesse, gros, arrête. Et ouais, bah, il plane là-haut. Mon tonton. Donc voilà, j'ai changé de poste parce que c'est ça devenu crignos. Là, je pêche dans la goutte d'eau sucrée. Là, il y a plein d'herbiers partout. Il y a des interdictions partout. On peut plus rouler avec les voitures. Les flics sont à l'affût. La police environnement sont à l'affût aussi. Fais attention, fais attention. Je me suis fait dénoncer certainement puisqu'il y a un père qui était en train de me prendre en photo tout à l'heure et il a appelé je sais pas qui. J'ai dit hop, je me sauve parce que je vais me prendre encore un pain. Ah, puis là, bah, c'est confiscation des véhicules, tribunal et tout le tralala. Donc on évite. Qu'est-ce qu'il y a, je plane? Allez, mon loulou, quand c'est pas fait d'entrer l'accusé, moi c'est crime. C'est pas Starak et Tutti Quinti, c'est ça. On se fait la petite pièce de bœuf qui va bien, t'entends, elle mijote. On pourra pas mettre l'haricot, je pense qu'on va manger juste l'entrecôte, là, avec les deux bouts de beurre à l'ail, là. Persillé, je veux dire. Et puis, je vais te souhaiter une bonne soirée. Je te dis à bientôt, chou. Puisque nous, on se met bien. La pêche, c'est pas en pêche de nuit, hein. Donc c'est fini. Et voilà, on a passé un bon moment. C'est le bordel, t'as vu, dans la cabane, là. Mais on est bien. C'est notre chez nous. On s'y sent bien. Et puis, non, t'inquiète pas. Tu vois, dans le miroir, je suis pas tout nu. J'ai mis la protection devant. Tu vois, tu verras pas les babas à la pépère. C'est ça qui t'inquiète, mon chou. Elles sont cachées, hein. Allez, bisous. Salut. Bye.